E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. La fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
Dicter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti e benvenuti. Bonsoir à tous et bienvenue. Je salue et remercie nos invités qui ont accepté de participer à la rencontre de ce soir intitulée Famille, lieu d'espoir. Il s'agit de Mariolina Ciriotti-Migliarese qui est neuropédopsychiatre et psychothérapeute. Vincenzo Bassi, qui est président de la Fédération des associations familiales catholiques européennes, la FAFSE. Matteo Fada, qui est président de l'association de la communauté du pape Jean XXIII. Fabiola Bianchi, qui est une famille de cette association du pape Jean XXIII. Nous avons aussi parmi nous Jean-Luc Moins de la communauté de l'Emmanuel. Merci à tous. Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde domestique afin que tous puissent percevoir tout être humain comme un frère. Par ces paroles de l'encyclique Amoris Laetitia, le pape François décrit la mission confiée à la famille. Un regard attentif à la vie quotidienne des hommes et des femmes d'aujourd'hui, poursuit le document, montre immédiatement le besoin qui existe partout d'une bonne dose d'esprit familial. Non seulement l'organisation de la vie commune se heurte toujours plus à une bureaucratie totalement étrangère aux liens humains fondamentaux, mais les comportements sociaux et politiques révèlent même souvent des signes de dégradation. Voilà le contexte de ces derniers temps, les contingences historiques que nous traversons rendent toujours plus incertain le regard vers l'avenir. Dans ce contexte, les époux chrétiens peignent le gris de l'espace public en le couvrant des couleurs de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense des personnes fragiles, de la foi lumineuse et de l'espérance active. La famille ne doit pas se concevoir comme un enclos appelé à se protéger de la société. Elle ne reste pas à attendre, mais elle sort d'elle-même. Par exemple,
l'expérience que vivent des dizaines de familles italiennes ces dernières semaines qui se sont impliquées dans un projet conduit par la Conférence épiscopale italienne et le Secours catholique international pour héberger des enfants ukrainiens qui viennent de Kharkiv pendant l'été. C'est une initiative qui est née sur la demande de la vice-ministre du gouvernement de Zelensky lors de sa rencontre avec le cardinal Zuppi l'année dernière. Le cardinal avait été envoyé par le Saint-Père dans une mission de paix. Et en cette occasion, la vice-ministre a raconté qu'elle avait été ce qu'on appelait un enfant de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'elle avait été accueillie par une famille italienne pendant les vacances d'été, après l'incident tragique que nous avons tous à l'esprit. Donc en se souvenant du bien qu'elle avait reçu, elle a demandé que l'on repropose une expérience similaire pour les enfants de son peuple. Et c'est ainsi que s'est mis en œuvre un processus dont nous souhaitons, et nous en sommes certains, qu'il contribuera à la construction d'une culture de paix et à susciter l'espérance pour le peuple ukrainien. Pour nous lier au thème du meeting de cette année, la rencontre de ce soir veut approfondir et témoigner l'essentialité de ce que l'on expérimente dans toute famille et comment cela peut susciter, dans un mouvement de sortie au-delà des frontières, une socialité nouvelle. Comment cela peut susciter l'espérance, être le lieu où l'on peut vivre une expérience de bien qui rend l'avenir sûr, contribuer à la construction de la paix et avoir une incidence sur l'histoire. Chacun en vivant ce que la vie lui donne de vivre. Et c'est de cela dont nous voudrions discuter avec nos invités que je remercie encore vraiment pour leur présence. Nous commençons par Mariolina Cerioti-Meliarese. Elle est neuropédopsychiatre et psychothérapeute. Alors, dans ta longue expérience professionnelle, tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup de familles. Et toi-même, tu vis dans un contexte familial profond et vivant. Tu as beaucoup écrit sur la famille. Je cite quelques livres, « Le couple imparfait »,« Érotique et maternité », Ré-épouse-moi, alphabet des affections, père et fils. Donc, en partant du titre que nous avons donné à notre rencontre, pourquoi est-ce que l'on peut dire que la famille est le lieu de l'espérance et de la paix? Et comment est-ce que cela ne se contente pas d'être une expérience limitée au cercle de la famille, mais que cela devient une expérience sociale? Alors, bonsoir à tous. Je regrette parce que je ne vous vois pas et pour moi, parler sans vous voir, c'est très difficile. Mais j'essaye de vous imaginer. Quand j'ai vu ce titre et que j'ai pensé aux très nombreuses familles que je rencontre dans ma profession, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes des familles normales, nous qui sommes des familles avec nos difficultés, en quoi est-ce que nous pouvons être des témoins d'espérance? Parce que on a souvent un grand sentiment de défiance et de découragement, même dans nos familles chrétiennes. Les familles chrétiennes partent avec une idée élevée, un projet élevé. Le couple chrétien se forme avec l'idée de quelque chose de beau qui devrait durer pour toujours. On se choisit, on est amoureux l'un de l'autre et on imagine de belles choses, une famille nombreuse par exemple, la possibilité de faire de belles choses ensemble pour les autres, une vie pleine d'amour, d'affection, de partage. Et puis la réalité, souvent, se charge de nous apporter des déceptions et on se heurte aux petites choses de chaque jour qui sont souvent frustrantes. L'autre n'est pas exactement ce que nous imaginions. Les enfants sont peut-être arrivés trop tôt et se sont mis au cœur du couple alors qu'ils n'étaient pas encore solides, ou bien ils n'arrivent pas, ou bien ils sont différents de ce qu'on avait pensé. Bref, la vie est souvent différente. Et les difficultés, les incompréhensions face à la beauté du projet de départ nous mettent en crise. Donc on se pose des questions. Et on se demande, est-ce qu'une vie ensemble pour toujours est possible, qui ne soit pas seulement de se supporter réciproquement,
mais qui soit vraiment la réalisation d'un projet. Est-ce que c'est vraiment possible, un projet pensé pour le bonheur de l'homme? Et beaucoup de couples chrétiens en crise nous disent « Docteur, si Dieu m'a créé pour le bonheur, alors pourquoi est-ce que j'ai ce mari, cette femme, cette situation? Je me suis peut-être trompée, j'ai fait un mauvais choix. » Et je crois que ça explique aussi l'augmentation des causes, des demandes de causes de nullité dans le mariage, parce que face à la difficulté que l'on rencontre vis-à-vis de l'autre, on pense qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix, qu'on n'était pas mûr, qu'on n'a pas bien été préparé, qu'on n'était pas convaincu. Alors nous, en tant que chrétiens, plus que les autres, nous nous heurtons à cette difficulté parce qu'il y a une différence entre le désir de faire des choses bonnes et belles et la difficulté que nous rencontrons. Et donc, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de mal? Pourquoi est-ce que c'est difficile de s'aimer et de s'aimer pour toute la vie? Et je crois que la première question qu'il faut nous apporter, c'est le fait que la famille est un lieu où on a à faire avec les différences, toutes les différences les plus importantes de l'être humain, différence entre sexe masculin et sexe féminin, et même si on la nie aujourd'hui, elle est très profonde, la différence entre deux histoires différentes qui se croisent et qui viennent de familles différentes et qui doivent trouver quelque chose d'inédit pour eux, la différence d'âge entre parents et enfants, la différence est source de difficultés et de pénibilité. Et nous ne sommes pas habitués à le penser, à le savoir et à vivre la différence comme une opportunité. Et lorsque nous parlons du thème de la paix, nous ne pouvons partir que du souvenir que la différence est une occasion potentielle, alors que nous vivons la difficulté que comporte la différence comme une frustration par rapport à laquelle nous pouvons au mieux chercher de nous adapter. Mais il ne s'agit pas de s'adapter l'un à la différence de l'autre, mais de faire fleurir la différence qui est présente de façon si riche dans les relations familiales pour qu'elle génère une vie nouvelle. Alors je crois que ce que nous devons faire, c'est recommencer à penser que les obstacles sont des défis. Ce ne sont pas des choses face auxquelles il faut s'adapter, mais ce sont des défis que la situation met face à nous. Et que la vie du croyant consiste à saisir sa vocation dans les réalités concrètes qu'il rencontre. Donc, cette femme précise, ce mari, ses enfants, cette situation peuvent être l'occasion de ce changement que nous avons à faire pour devenir des personnes différentes, des personnes meilleures, pour développer au mieux ce que nous sommes. La possibilité du bonheur humain naît de la mise en œuvre en nous de notre créativité. Une créativité qui implique être capable d'aller face à ce qui nous arrive pour en faire quelque chose de différent de ce qui nous apparaît. Donc le mari compliqué, la femme compliquée, ce n'est pas un obstacle et rien d'autre. Mais c'est une opportunité pour notre créativité, pour comprendre ce que nous pouvons vraiment faire, ce que nous pouvons faire de différent et de spécifique par rapport à l'idéal que nous nous étions fixé. En quoi notre vie, telle qu'elle est, nous provoque comme défi? Quand nous nous marions, nous nous promettons pas de nous rendre heureux, parce que nous ne pourrions pas le faire. Pas d'éprouver toute la vie les mêmes sentiments, parce que le sentiment évolue. Parfois, il s'améliore, parfois il empire, mais en tout cas, il change constamment, il se renouvelle. Il a ses hauts et ses bas. Mais ce que nous nous promettons en nous mariant, c'est de ne jamais quitter la main de l'autre pendant toute la vie. Que nous tiendrons serrés la main de l'autre, même dans les difficultés, en acceptant le défi des changements possibles. Donc nous pouvons être témoins d'espérance, nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, si nous devenons témoins de ce fait incroyable, qu'il est possible, que c'est possible, que malgré ce qui semble, c'est possible de s'aimer pour toujours, c'est possible de ne pas abandonner le bateau dans la difficulté,
utiliser notre créativité pour être heureux en profondeur toujours malgré tout, si nous comprenons le bonheur comme cette compétence créative que nous mettons en œuvre, qu'il est possible d'aimer ses enfants. Être témoin d'espérance, ça veut dire aussi ne jamais démissionner face à ses enfants dans un monde qui tend à ne plus vouloir prendre la responsabilité de guider les jeunes vers quelque chose de bon. Donc ne pas démissionner, mais continuer à avoir la capacité qu'il est légitime d'éduquer. Il est légitime de transmettre à nos enfants ce qui nous passionne dans la vie. Mais cela nous demande de devenir toujours plus conscients, de manière positive, active, et je dirais même en travaillant, en étudiant, de la beauté du message que nous portons, la beauté de l'anthropologie chrétienne que nous avons donnée pour acquise, alors qu'elle ne va pas du tout de soi. La beauté de la différence entre l'homme et la femme, de l'amour pour toujours, la beauté dans le fait de faire confiance à ses enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit vraiment l'ère de la famille, le temps de la famille et de la vraie laïcité. Le temps où les laïcs vivent pleinement leur vie, leur profession, leur relation mari-femme, leur profession, où ils jouent avec passion leurs compétences dans le monde et dans la vie, dans la normalité et dans la créativité. En apprenant à vivre tout ce qui nous arrive, toujours comme un défi positif. Et je crois que ce qui est négatif dans une relation de couple et donc dans une famille, ce n'est pas tant le fait qu'elle traverse des difficultés ou que l'on se dispute ou que l'on continue à avoir des opinions différentes, même après des années de mariage, et que on retombe toujours sur les mêmes difficultés qu'on a rencontrées au début. Ce qui fait du mal aux relations, c'est le fait d'abandonner le défi, c'est-à-dire vivre ce qui arrive à l'intérieur d'une attitude de patience mal comprise. La patience mal comprise qui devient une supportation et qui devient une image fausse des relations familiales. Pour conclure, ce que je dis naît certainement de l'expérience que j'ai eue avec des familles que j'ai suivies, mais avant tout d'une longue expérience de famille, de couple, avec des enfants et même des petits-enfants maintenant, qui n'est certainement pas un idéal de relation. Je crois que tout ce que j'ai écrit dans mes livres, où je parle des difficultés qu'il faut affronter en couple, dans les familles et les relations, j'ai pu l'écrire parce que j'en ai traversé beaucoup d'entre elles. J'ai connu beaucoup de ces difficultés et j'ai compris toujours plus la beauté de ce défi qu'il nous a donné de vivre et qui peut vraiment durer toute la vie d'une famille. Voilà, merci. 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 C'est le temps de la famille, vous disiez. Vincenzo Bassi, vous êtes président de la Fédération des associations familiales catholiques européennes. Votre association naît avec une double mission, représenter la voix des familles au niveau international et en particulier auprès des institutions européennes institutionnelles et de l'autre, encourager le travail des associations familiales. Il compte 33 associations qui proviennent de plus de 20 pays. Alors, le temps de la famille. Du point de vue d'une réalité internationale comme le FAFSE, comment la famille aujourd'hui peut avoir une incidence sur l'histoire en semant la paix et l'espérance? La famille est une expérience privée d'intérêt général. Je ne veux pas être un auteur académique, mais il est vrai, c'est vrai. Quand on parle de famille, on parle de la réalité. C'est une expérience de solidarité en respectant la dignité de chacun de nous. Si on n'a pas de famille, les principes de l'égalité, de la liberté, de la solidarité ne peuvent pas être compris. Il reste des principes abstraits.
Et on ne peut pas expliquer avec les mots ces principes. On les vit. On les vive avec l'expérience concrète. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire, de donner l'exemple de la famille et de le mettre au cœur du débat politique et civil. Aujourd'hui, et là je parle en tant qu'avocat, ce concept de bon père de famille est présent dans le code civil et cette expression est toujours là et c'est une expression qui remonte au droit romain parce que seulement en connaissant et en vivant cette expérience de bon père de famille, on peut comprendre ce que la raison et le bon sens veulent dire. Et en tant que président de la fédération, j'ai vécu une expérience personnelle, j'ai vécu plusieurs réalités différentes et je vais en citer quelques-unes. L'écuméisme de la famille. On voyage et on connaît beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de pays. Et là, quand j'étais en Roumanie, j'ai parlé avec un évêque et cet évêque m'avait dit que on vit l'écuméisme dans les familles. Les familles prient déjà, familles catholiques ou orthodoxes. Et quand on parle d'accueil, d'immigration et d'émigration, là, quand on regarde à l'expérience des familles italiennes, ça a été justement cette capacité des familles d'accueillir d'autres familles qui nous a permis d'intégrer les Italiens dans les pays qui nous ont accueillis. L'unité de la famille a fait changer des régimes politiques et cela, il ne faut pas l'oublier. En Pologne, avec Solidarność, on a vécu cette protestation civile menée par des personnes qui vivaient la famille. Et s'il n'y avait pas une unité dans la famille, on n'arrivait pas à faire une chose qui, il y a 20 ans, était impossible. La famille est une expression de unité et notamment, comme on le disait tout à l'heure, c'est une expression de capacité de dialoguer. C'est un dialogue, c'est une méthode de dialogue qui doivent être partagées. Il y a justement une phrase que je n'arrivais pas tout le temps à comprendre. Mère Thérèse de Calcutta disait que la paix est dans la famille. Et là, quand on pense aux difficultés à l'étranger, c'est une phrase que j'ai eu du mal à comprendre. Alors que ces derniers jours, j'ai vécu une expérience qui m'a fait changer ma perspective. J'étais en train de voyager, j'étais en train vers Milan et j'étais assis et il y avait une famille de personnes adultes, plus âgées, qui parlaient leur langue originale. Ils venaient, je pense, du sud de l'Italie, de Salerno. Et moi, j'adore écouter ces langues locales et ces dialectes. Et à ce moment-là, une femme musulmane arrive avec un enfant et avec une valise et elle disait en anglais à ce couple qui parlait en dialecte du sud de notre pays. Et donc, elle a dit qu'elle avait besoin d'aide parce qu'elle devait prendre des valises mais qu'elle ne pouvait pas laisser tout seul son enfant. Et je voulais expliquer au couple ce que cette femme disait, alors que la femme, sans rien dire, lui a laissé l'enfant à la femme italienne. Donc deux cultures complètement différentes qui ont dialogué. Et quand la femme a repris son enfant et qu'elle a repris les valises, voilà qu'un dialogue a commencé. Un dialogue entre un couple arabe et une famille sans doute de Salerno. Ils ne parlaient pas la même langue, mais je peux vous assurer qu'ils ont communiqué. Et qu'est-ce que je veux dire par cela ? C'est possible, sans aucun doute, d'avoir la diplomatie de la famille, ce qu'on appelle diplomatie de la famille. Les mères ne font pas d'enfants pour leur laisser à la guerre, pour les envoyer à la guerre. Et nous devons comprendre que pendant ce moment-là, ces deux femmes, ces deux mères ont
vertu, plus de pratique et plus de sagesse par rapport à un grand nombre de hommes politiques qui font face à des situations compliquées sans le bon sens et l'expérience familiale. Donc ces histoires, ces expériences concrètes de vie quotidienne doivent susciter, comme Mariolina le disait, une créativité, non seulement chez la famille, mais à l'extérieur aussi. Il est juste de réfléchir et essayer de comprendre que cette expérience de ces communautés qui dialoguent et qui se parlent peuvent créer un avenir sans guerre. Et c'est effectivement possible au meeting, on le sait, il y a eu des associations qui ont participé, je pense à Parents Circle, qui nous ont montré que les cultures différentes peuvent se réconcilier aussi. Mais il faut avoir plus de créativité. Les experts de droit international savent que là, quand il y a les négociations pour la paix, il y a toujours une partie de réconciliation. Et c'est une partie qu'on ignore souvent parce qu'elle fait l'objet d'institutions internationales. Et au-delà de la réconciliation, en plus de ça, il y a le pardon. Les réseaux de famille, les associations familiales, les associations qui mettent au centre les familles peuvent jouer un rôle dans ces contextes-là. Des contextes aussi compliqués que ça. Évidemment, elles ne peuvent pas s'occuper de cesser le feu, mais les familles peuvent éviter les guerres et de nouveaux guerres. On le sait, si, pas loin de nous, au Kosovo, en Bosnie, on le sait que c'est une réalité parce qu'on n'a pas, concentré notre attention sur les processus de peacekeeping. Et je pense toujours à ces deux femmes qui se sont regardées dans les yeux et dans ce moment-là, elles ont battu les barrières seulement en se regardant, en parlant le même langage de la maternité. Et c'est un langage qu'on le partage. Et on le fait en respectant toutes nos diversités et en étant conscient que vivre ensemble est une responsabilité dont il faut être heureux parce que la famille est une responsabilité joyeuse. C'est une responsabilité, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité joyeuse. Je suis persuadée que, vu que la solitude est la grande maladie de nos jours, ce sont les réseaux de famille qui nous aident pour abattre cette maladie, et cela vaut dans les situations de guerre. J'ai fait l'expérience des camps de réfugiés, et dans les camps, toutes les personnes qu'on rencontre savent que la cohabitation pacifique est toujours aimée, et que la haine est pour les personnes qui ne veulent pas faire cohabiter ces personnes. Et là, je veux vous dire que je ne suis pas en train de parler des concepts abstraits, mais c'est de la réalité, une réalité européenne qui a pu se concrétiser grâce à des personnalités uniques qui ont compris que pour éviter la guerre et pour l'éviter, ce sont les familles qui doivent faire la paix, non seulement les États ou les traités de paix. Merci. Merci Vincenzo. Donc une responsabilité joyeuse qui rencontre l'autre dans sa propre fragilité, dans ses limites, dans le monde entier. Matteo Fada est président de l'association Communauté Pape Jean XXIII, une communauté qui est née ici même à Rimini dans le but de freiner les marginations et la pauvreté selon le projet du père Oreste Ebensi, c'est-à-dire être famille avec ceux qui n'en ont pas. Cette communauté est présente aujourd'hui dans le monde entier à travers des centaines de réalités
comme des maisons-familles, des cantines pour les pauvres, des centres d'accueil, des communautés thérapeutiques. Et elle agit aussi à travers des projets d'urgence humanitaire et de coopération au développement. Et depuis 2006, elle siège au Conseil économique et social des Nations Unies. Alors je demande à Matteo, en quoi la communauté du pape Jean XXIII contribue à la construction d'une socialité nouvelle ? D'où est-ce qu'elle tire son origine ? Merci Luca. Je lis pour ne pas courir le risque d'être trop long. L'expérience de la communauté du pape Jean XXIII part de la conscience que ce que notre fondateur, Don Oreste, le père Oreste que vous connaissez bien ici à Rimini, nous a témoigné plus que à travers des paroles, par l'exemple. C'est-à-dire à savoir qu'on peut aimer et faire des familles avec tous, même avec ceux qui n'ont pas de famille, les pauvres, les déshérités. Notre action et notre engagement est très concret. Nos familles ouvrent les portes de leur maison à ce que nous qualifions de partage direct de vie avec les écartés. Ils choisissent de vivre le partage dans la forme de l'accueil, l'accueil de l'autre, en partageant la vie 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, depuis 50 ans. Partager sous le même toit, comme nous le disons, dans sa propre famille, avec des personnes qui le plus souvent sont écartées, cela nous a appris, nous a conduit à nous renforcer en nous reposant sur la prière, à nous soutenir les uns les autres dans la communauté fraternelle et à essayer si possible d'être sobre en mettant en commun les ressources de chacun parce qu'il y en a suffisamment pour tous à avancer ensemble comme une seule famille spirituelle, à collaborer activement avec les autres associations, les autres mouvements qui font de tout pour agir de la même manière. Je dirais, j'aime bien dire comme si c'était pour le même employeur. Nous parlons toujours de notre employeur du ciel et pas celui de la terre. Et dans notre expérience, nous avons appris qu'ouvrir notre famille à ceux qui n'en ont pas, comme le disait Luca, cela signifie soutenir que toute personne a le droit d'avoir une famille. Et cela, c'est un langage qui n'a pas besoin d'être traduit dans les différentes langues et les différentes cultures. Il est compréhensible immédiatement, comme le disait Vincenzo à l'instant, avec cette expérience du train. Et le père Oreste, cette expérience, il appelait la greffe vitale. Il nous a appris qu'il faut s'efforcer de ne pas lire l'autre, la personne, dans ses limites, dans sa condition de malaise, comme nous l'a très bien dit Mariolina, l'handicapé, le détenu, le dépendant, la prostituée à Rimini. Il y a eu une polémique à la fin des années 80 à ce sujet. Donc nous essayons de regarder la personne dans son originalité et dans sa potentialité. Et nous sommes convaincus qu'il y a vraiment un désir de salut auquel nous sommes tous prédestinés à participer. Et dont nous sommes tous co-responsables, comme nous l'avons dit. Le pape François dirait que nous sommes tous frères, fratelli tutti. Et de cette intuition du père Oreste naît ce qui est sa véritable intuition pour nous et qui ne concerne pas seulement la communauté du pape Jean XXIII, mais la société, c'est-à-dire une société nouvelle. Est-ce qu'une société nouvelle est possible? Une société qui remette au centre la personne, qui marche au rythme des plus lents, des derniers, qui est inclusive, qui respecte la différence, qui fait de la différence son point de force. Don Oreste l'a appelé la société de la gratuité.
Et le gratuit, ce n'est pas gratis. C'est ce qui nous permet de considérer que ce qu'on met au cœur, c'est le... Non, ce n'est pas le bénéfice. Au centre, c'est une personne avec ses besoins et ses devoirs aussi. La famille élargie, dans la communauté du pape Jean XXIII, quand on parle de famille élargie, on ne parle pas seulement nos familles d'accueil, nos réalités d'accueil, mais aussi les coopératives sociales, les projets internationaux, la présence dans les lieux de conflit. Voilà, nous avons appris que c'est possible. Nous essayons de le faire avec toutes nos limites. Et donc les maisons-familles deviennent bien sûr de vraies familles, mais aussi une alternative valable pour, par rapport aux instituts pour les personnes porteuses de handicap ou fragiles. Les coopératives sociales sont de véritables coopératives sociales qui incluent, qui ont comme projet d'offrir des opportunités de travail à ceux qui n'en ont pas. Les communautés thérapeutiques se proposent, par le partage de vie, de répondre aux jeunes qui cherchent un sens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, les projets de mission, qui montrent que la famille peut changer en partant du bas. Don Oreste disait que dans la famille qui accueille, on se sauve ensemble. La co-responsabilité se construit sur deux dimensions. Le fait d'éliminer les causes d'injustice, donc il faut nous sentir responsables, et le fait de se sentir partie d'un projet missionnaire, ce qui ne veut pas dire penser au pays lointain, mais être porteur d'un témoignage, comme nous l'a rappelé Mariolina. Et j'aime bien ajouter une autre caractéristique qui fait partie de l'ADN de notre association et de notre ADN chrétien, c'est que notre manière de lutter n'est pas violente. Nous essayons d'éliminer les causes d'injustice de cette société malade, mais pas de manière violente. Pas en isolant, en confinant, en marginalisant. Expérimenter le don d'avoir une famille et d'être une seule famille fait grandir le désir de donner une famille à tout le monde, que ce soit sur nos territoires italiens, européens, que ce soit aussi dans des territoires lointains où les relations sont desséchées par un consumérisme qui a tout absorbé, y compris les consciences. Et donc nous vivons cette expérience qui fait qu'on contribue à faire grandir un sens d'appartenance réciproque. Je conclus en citant notre pape François, qui nous incite vraiment à valoriser cette caractéristique de nos familles. Il y a quelques mois, en s'adressant aux responsables des équipes Notre-Dame, le pape leur a confié une mission importante, celle d'accompagner les jeunes mariés pour qu'en prenant soin du mariage, parce qu'en prenant soin du mariage, on prend soin de la famille tout entière, et nous l'avons entendu ce soir aussi. Et un mois plus tard, il était à Rome et il a dit aux familles de l'immeuble où il se trouvait que défendre la famille, ça signifiait garantir notre avenir, parce que la famille est l'oxygène pour faire grandir nos enfants. Voilà, nous ne pouvons pas reculer devant cette responsabilité que notre Saint-Père, mais aussi mais tous les pontifes nous ont rappelé. Et je crois que le moment est venu pour nos familles de lever le regard et d'essayer de semer l'espoir, comme nous l'a dit le pape à Vérone. Donc, nous tous, chrétiens, en particulier les couples, les parents, nous devons annoncer cette bonne nouvelle sur la famille et aider les jeunes à redécouvrir que c'est vraiment une bonne nouvelle, que le mariage est beau, la joie, la conviction,
Bien sûr, il y a des difficultés, nous le savons. Mais je relève, je saisis l'exhortation du pape que nous a rappelé Luca. Rappelons-nous que ouvrir la porte de notre enclos permet de faire entrer, sortir et de se rencontrer. Si nous construisons des familles, nous l'emporterons. Merci. Merci, Matteo. Tu disais que c'est possible. Cette créativité dont nous parlions est possible. Et elle s'exprime dans les formes que vous vivez et que vous proposez. Fabiola Bianchi, avec son mari et sa famille, elle partage cette expérience de la communauté du pape Jean XXIII. Et depuis 10 ans, ils vivent à Athènes, où ils ont une maison famille. Exactement. Bonsoir à tous. Nous sommes partis en mission sans avoir choisi le lieu ou le temps, parce que le lieu et le temps ne nous appartiennent pas. Nous avons fait confiance à Dieu et il nous a amené toute notre communauté avec le charisme avec lequel il nous a appelés. C'est Dieu qui choisit pour nous et on sait que là où il nous appelle, on trouve notre épanouissement. Donc le fait qu'on a fait confiance à lui nous a permis de traverser les périodes difficiles de doute et de réflexion. En Grèce, nous sommes des étrangers. Donc, c'est nous qui vivons l'accueil, l'expérience de l'accueil. Et à notre tour, on accueille des personnes qui viennent de pays lointains, avec des langues différentes et surtout avec des histoires et des traumatismes qui se mêlent à partir du quotidien et qui façonnent notre manière de vivre la famille. On essaye de trouver un équilibre dans ce microcosme de notre famille et de le mettre en relation avec le monde de l'extérieur, avec l'école, la santé, en essayant d'être les médiateurs entre nous et les étrangers et le peuple avec lequel on veut entrer en relation. Notre accueil est un accueil de frontières. Les personnes arrivent chez nous et il n'y a aucun filtre, rien, non pas des services sociaux, etc. Ce sont nous, le pauvre frappe à notre porte et Dieu est entre nous. La plupart des fois, on arrive à apprécier la diversité et je pense que nos enfants arrivent à le faire plus facilement. Et qu'est-ce qu'il arrive quand il y a ce partage direct ? Il y a une limite qui entre en contact et se fond avec la limite des autres. Et on apprend que la diversité de cultures et d'idées peuvent exister ensemble. Le conflit, il est là. Et surtout au début, il est difficile pour les personnes qu'on accueille de leur faire comprendre que nous, on n'est pas non seulement pour offrir un lieu où rester, mais pour devenir une partie de la famille. Mais souvent, il y a une méfiance devant cette gratuité. C'est comme s'ils voulaient nous mettre à la preuve. Beaucoup d'eux n'ont pas eu une famille ou bien ils ont une conception différente. Ils ont vécu des histoires d'abandon, violence et ils ont été victimes d'une exploitation professionnelle, etc. Et donc il est difficile pour eux de comprendre pourquoi on les accueille ou bien pourquoi on leur demande de partager les moments de repas. C'est difficile pour eux de comprendre cela, c'est un processus long et parfois on les appelle quand ils rentrent tard le soir. Et ils sont surpris pour cela. Mais à un certain moment, ils arrivent à s'ouvrir à nous, ils commencent à nous faire confiance. Et là c'est un don exceptionnel qu'ils nous font. Et je pense notamment aux jeunes enfants de 12 ou 13 ans qui ont laissé l'Afghanistan et qui sont partis et ils ont l'habitude de se battre pour leur survie. Et quand ces petits guerriers enlèvent leur armure parce que c'est bien des guerriers, ils retournent, ils tournent, ils sont des enfants à nouveau et donc ils ont envie de jouer. Et c'est vraiment une merveille quand on voit que dans notre quotidien, chacun de nous devient quelqu'un quand on devient de quelqu'un.
quand on vit l'expérience d'être choisi, d'appartenance, qui nous fait, qui fait de nous des personnes. Et pour remonter au conflit, j'aimerais citer le pape aussi. En mai dernier, le pape nous a rappelé que le conflit est physiologique. Donc il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur du conflit. Et il faut chercher le dialogue. Le dialogue, c'est bien la richesse de la famille et de notre société. Quand on n'a pas peur du conflit, je veux trouver le dialogue dans le pardon mutuel. Les personnes avec lesquelles on partage notre vie nous permettent de vivre le pardon. Donc d'aller au-delà des difficultés présentes. Parce que même s'il y a des injustices et des difficultés auxquelles il faut faire face chaque jour, notre réaction, ma réaction particulièrement, et mon époux, notamment parce qu'il est plus doux que moi, c'est justement une réaction d'indignation, de colère, alors que ces personnes qu'on accueille nous enseignent à pardonner, à être patient, à nous sacrifier et à espérer. Et il nous apprend beaucoup. Ces personnes sont des personnes qui ont des vies brisées, qui essayent de se réconcilier avec le passé. Mais c'est justement cette expérience de douleur, de privation qui les aide à changer la vision sur la vie. Et nous, de notre côté, nous pouvons accueillir leurs blessures, de leur faire confiance pour permettre à eux de rêver un avenir de paix dans une société qui va devenir toujours plus mélangée. Celui qui rejette les pauvres rejette la paix. Voilà les mots du pape quand il a visité les camps des réfugiés en Grèce. Notre famille était là, on a écouté les propos du pape. Et là, quand il a regardé dans les yeux ses enfants, il a dit que les personnes qui ont eu peur de vous ne vous ont pas regardé dans les yeux. Et je pense qu'accueillir ces personnes veut dire accueillir leur désir de paix. Voilà le don que ces personnes nous donnent. Donc accueillir la femme enceinte ou bien le garçon seul, une personne qui a tout perdu pendant son voyage, veut dire accueillir le besoin de paix. Et pour vivre l'absence de violence, on apprend des personnes qui ont vécu cette violence. On apprend la valeur des choses à partir des personnes qui n'ont pas des choses. Et j'ai rencontré un garçon afghan qui m'a dit une phrase désarmante. Il a dit que être bien ne suffit pas, il faut être heureux. Et il appréciait ce qu'on était en train de faire pour lui, mais il avait besoin de joie. Il avait besoin de ses sentiments. Et ces propos viennent d'un garçon qui avait tout perdu, qui a tenté de se suicider quand il avait 16 ans dans un camp de réfugiés en Grèce. Et je pense qu'il faut prendre cet avis au sérieux. Et quand il était avec une personne qui riait, il avait plus d'espoir. Donc c'était lui qui m'a appris la valeur de la joie. Et donc lui, tout comme les autres garçons qui vivent dans notre famille d'accueil, ils partagent tout. C'est comme si c'était nos enfants. Et c'est grâce à eux qu'on apprend que les personnes sont comme nous, peu importe d'où elles viennent. On le sait que notre cœur humain, quand il n'a pas de frontières, peut reconnaître les points qu'on a en commun. On peut accueillir l'empathie qui nous aide à apprécier ce que parfois on donne pour acquis, comme le fait d'avoir un document dans les poches ou d'avoir l'opportunité de voyager là où on veut. Et on est toujours surpris quand on rencontre la résilience de ces personnes. Ils veulent vivre leur vie et accueillir en dépassant les difficultés, en accueillant les possibilités. Et là, je veux
conclure en racontant l'histoire d'un garçon de 15 ans qui avait vécu dans la rue à Athènes, qui avait été esclave en Turquie et qui était parti avec son sœur et avec un enfant d'enfance. Et il a perdu ces deux personnes pendant le voyage. Son père, il avait été tué. Il avait été abandonné par sa mère en France. Donc c'est une histoire importante. Il a vécu dans notre famille d'accueil et après il a eu l'opportunité d'aller en France pour rencontrer sa mère et cette dernière l'a abandonné à nouveau. Donc un moment très dramatique et donc cela a été difficile pour lui de perdre tous ses espoirs. Avant la mort de son père, il avait promis à son père d'étudier. Et nous avons raconté cette histoire avec nos amis de Communion et Libération. Et à partir de cette histoire, tout un mouvement européen est parti et ce garçon aujourd'hui est aidé et accueilli. Il veut étudier et il est en train de le faire. Il étudie mécanique aéronautique et il est soutenu. Et c'est bien de raconter cette histoire parce que pour nous, c'est le signe que les pauvres nous unissent. Il nous ouvre des collaborations nouvelles avec d'autres associations aussi, comme la collaboration avec la communauté de Sant'Egidio et l'expérience des couloirs humanitaires. Et grâce à cette collaboration, on a aidé des personnes qui n'avaient aucun espoir de survie. Et un garçon qui a fait partie de cette expérience nous a appris que la douleur peut faire pousser des fleurs aussi. Il vivait une situation très difficile en Grèce et il nous a fait voir la réalité des camps des réfugiés en Grèce. Et après cette histoire, une collaboration a commencé et une réalité qui est présente toujours en Grèce pour aider les migrants. Nous entrons en relation avec des personnes qu'on a rencontrées grâce à Dieu et grâce à son plan. Et là, quand on rencontre ces personnes touchent notre vie, nous frappent. Et quand on commence à collaborer, on comprend la vie que cette autre personne vit et jusqu'à quand la douleur ou l'injustice ne partent pas, on va rester là. Merci. Merci Fabiola. Tu nous as raconté, témoigné ce que signifie savoir regarder dans les yeux celui qu'on rencontre et ne pas avoir peur de lui. Jean-Luc Moins. La communauté de l'Emmanuel est née dans les années 70 à Paris, fondée par Pierre Goursat. Elle est née d'un groupe de prières qui a grandi rapidement et qui s'est répandu en France et dans le monde entier. Aujourd'hui, la communauté est présente dans 60 pays. Elle compte environ 12 000 membres, parmi lesquels des centaines de prêtres et d'hommes et de femmes consacrés dans le célibat. La communauté est très présente aussi au Rwanda. Et cette année, nous célébrons le 30e anniversaire du terrible génocide qui a bouleversé le pays entre avril et juillet 1994. Dans ce contexte, les figures de Cyprien et d'Afrose Rugamba, qui sont des amis personnels et qui est une famille pour laquelle il y a actuellement en cours un procès de béatification, ont été très significatifs, importants, et ils ont suscité des fruits de paix et d'espérance qui se poursuivent encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler d'eux ? Merci. Je suis désolée parce que je vais parler plus lentement que les autres, et je m'émerveille de la manière dont ont parlé les autres. Malheureusement, je ne peux pas, parce que vous l'entendez, je ne parle pas très bien l'italien. Je suis de langue française. Le 7 avril 1994 à Kigali, le jour après la mort violente du président Habyarimana, la garde présidentielle arrive chez Cyprien Rugamba. Avant d'entrer, le chef d'équipe crie «
Alors Cyprien, tu es encore chrétien ? Oui, répond Cyprien sans hésiter. Les soldats entrent et quelques minutes après, ils tirent sur Cyprien, sa femme Daphrose et 6 de leurs 10 enfants. Tous ceux qui étaient à la maison. Aujourd'hui, une cause de béatification est ouverte pour l'ensemble de la famille. Et elle a une influence immense sur la paix et la réconciliation au Rwanda à travers la communauté de l'Emmanuel qu'ils ont fondée dans le pays. Cyprien Rugamba est né autour de 1932 dans le sud du Rwanda. C'était un jeune intelligent qui avait de très bons résultats à l'école. Il fréquente le séminaire mineur, puis le séminaire majeur. Et c'est là que, malheureusement, il perd la foi en lisant les philosophes existentialistes. À l'université, il fait des études d'histoire et il rencontre une jeune fille dont il tombe éperdument amoureux, Xaverine. Mais Xaverine est tuée l'ordre des désordres ethniques de 1963. Cyprien est désespéré. Daphrose Mukasanga naît en 1944 dans la même région que Cyprien. C'est une chrétienne convaincue. Elle est de la même famille que Xaverine. Cyprien la rencontre et en tombe amoureux. Ils se marient en 1965, mais Cyprien reste lié à sa première fiancée morte. Suite à de fausses accusations contre Daphrose, Cyprien la répudie pendant 8 mois. Lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'une mise en scène, il accueille à nouveau Daphrose dans la maison conjugale, mais le couple reste blessé. Cyprien est un grand intellectuel. Il est nommé directeur de l'Institut national de recherche scientifique du Rwanda. Il devient un grand spécialiste de la langue du pays, le Kinyarwanda, et il est convaincu qu'il n'existe pas de Hutu ou de Tutsi, mais uniquement des Rwandais qui partagent la même culture et la même langue. Il compose des poèmes et il les met en musique pour répandre ses idées. Ses chansons ont un succès énorme. Il devient célèbre dans le Rwanda entier. Cyprien et Daphrose ont 10 enfants, mais le couple est en difficulté. Cyprien n'arrive pas, il se sent coupable, mais il n'arrive pas à demander pardon à sa femme. Un jour, il lui amène une fille qu'il a eue avec une autre femme. Daphrose l'accueille comme sa propre fille. Elle prie pour la conversion de son mari. Entre 1980 et 1981, Cyprien tombe gravement malade. Il s'agit d'une maladie mystérieuse, avec de violents maux de tête, des acouphènes, des troubles de la vue et de l'équilibre. Il perd l'appétit. Il pense même à mourir. Daphrose le prend soin de lui avec amour et le cœur de Cyprien commence à s'ouvrir. La situation est si grave que Cyprien est envoyé en Europe pour un traitement médical. Dans l'avion, une chanson naît en lui. Ce ciel blanc, blanc comme la neige, où mon roi m'attend. Si je suis appelé un jour, je vous en prie, n'ayez pas peur. Je répondrai à l'appel avec joie et j'entrerai dans le ciel en dansant. C'est la première fois qu'une chanson sur le ciel naît dans son cœur. C'est une guérison et une conversion instantanée. Cyprien n'est plus le même. Il est de nouveau chrétien. Il demande à Daphrose de le pardonner pour toutes les souffrances qu'elle lui a causées,
qu'il lui a causé, pardon. Daphrose lui pardonne, le couple ressuscite et dorénavant, rien ne les séparera. Leur amour de couple resplendira. En 1990, Cyprien et Daphrose donnent vie à la communauté de l'Emmanuel au Rwanda. Cyprien devient plus que jamais un prophète de la paix et de la réconciliation. Et il dit maintenant, « Il n'y a plus Hutu ou Tutsi, il n'y a que des enfants de Dieu. » Avec Daphrose, il pardonne aux assassins de leur famille lors des événements des années 60. En 1993, l'archevêque de Kigali concède à la famille Rubanga l'autorisation de détenir le Saint-Sacrement chez eux. La chapelle domestique devient le centre de la vie familiale et le lieu aussi où sont accueillis les nombreux visiteurs. Avec la jeune communauté de l'Emmanuel, ils évangélisent partout, dans les paroisses, dans les rues. Cyprien et Daphrose témoignent le pardon en tant que couple. En les écoutant, beaucoup de couples se réconcilient. Il est clair que le message de paix et de réconciliation de Cyprien Rugamba ne plaît pas au gouvernement de l'époque. Son nom est probablement sur une liste de personnes à éliminer. C'est ainsi que le 7 avril, les soldats arrivent dans la famille. Ils tirent sur le tabernacle, répandent les hosties consacrées sur le sol. Puis, ils tuent Cyprien, Daphrose et leurs enfants. Mais le message de paix et de réconciliation qu'ils avaient apporté ne s'est pas épuisé avec leur mort. L'impact de leur témoignage est immense au Rwanda. Leur travail se poursuit à travers la communauté de l'Emmanuel, qui fait un grand travail pour la paix dans un pays qui n'a pas oublié les horreurs du génocide. Il y a d'innombrables témoignages de pardon et de réconciliation qui sont liés à leur apostolat. J'en fais un seul exemple. Eugénie, ce n'est pas son vrai nom. Elle est Tutsi. Elle déteste les Hutus. Un jour, elle a la possibilité de faire un faux témoignage contre un Hutu qui s'appelle Déo. Ce qui envoie Déo en prison. Par la suite, elle se convertit et elle entre dans la communauté de l'Emmanuel. Un jour, face au Saint-Sacrement, elle dit une prière. Elle dit au Seigneur, « Seigneur, tu sais que je veux te confesser tous mes péchés. Alors, s'il y a un péché que je ne t'ai pas confessé, que j'ai oublié, dis-le-moi. » Et aussitôt, elle entend une voix qui lui dit « Déo ». Et elle se rappelle. Donc elle va en prison, la prison où se trouve Déo. Mais Déo a déjà été libéré. Mais à tous les prisonniers, elle dit « J'ai accusé faussement et je viens demander pardon au nom de tous les Tutsis qui ont fait la même chose que moi. » Et les prisonniers pleurent. Mais elle doit encore aller voir la famille de Déo, et elle le fait. Et là, lorsqu'elle raconte cette histoire, Déo se met à parler, et il dit « Quand j'étais en prison, j'ai prié face au Saint-Sacrement, et j'ai demandé qu'au moins l'une des personnes qui avait témoigné faussement contre moi, excusez-moi. » Venga. Vienne demander pardon. Et tu es venu le faire. Et tu as reçu cette grâce du Saint-Sacrement exactement comme moi. Viens et embrasse-moi. Il y
y a beaucoup d'autres témoignages. La cause de canonisation des Rugamba s'est ouverte en septembre 2015 et elle s'est conclue en septembre 2021. Le témoignage de cette famille continue à inspirer beaucoup de personnes, en particulier au Rwanda, dans leur engagement pour la paix et la réconciliation. Merci. Grazie. Grazie Jean-Luc per... Merci Jean-Luc pour ce témoignage extraordinaire que tu nous as raconté de tes grands amis. Et les témoignages aussi ont été extraordinaires, par les témoignages de nos invités. Je demande à Mariolina, à Vincenzo maintenant, que suggère, qu'indique comme chemin les témoignages que nous avons entendus. Alors, je pensais ceci en entendant, en écoutant, que chacun d'entre nous a son propre appel. Nous, ce que nous appelons la vocation, c'est-à-dire un appel à la vie pour une mission, pour quelque chose. Et au fond, c'est l'appel de chacun à la sainteté qui n'est autre que la plénitude de l'humain en chacun de nous, la complétude de notre personne. Et cet appel est différent pour chacun. Et il peut passer à travers des voies très différentes. Pour certains, ce sera un appel à une situation, par exemple, comme celle qu'il nous a racontée par leur témoignage, ou bien l'appel si particulier jusqu'au martyr, comme nos amis du Rwanda. Et d'autres fois, l'appel que nous recevons est un appel dans la normalité du quotidien et qui passe à travers des batailles qui n'ont peut-être pas la possibilité d'être vues, la bataille de la fidélité, la bataille du quotidien, de l'éducation de nos enfants, qui semble ne rien avoir de si héroïque. Mais en fait, c'est notre appel personnel si nous le rencontrons. Et je crois que ce qui est important, c'est de bien observer les traces du chemin que chacun d'entre nous rencontre. Donc, une vocation n'est pas meilleure que l'autre. J'ai pensé à la beauté de toutes ces vocations, j'ai pensé à la beauté d'autres vocations que je rencontre dans le secret de famille qui peinent pour maintenir leur mission jour après jour en essayant de pardonner, de repartir, de trouver dans leur cœur la créativité pour rendre la vie digne et belle d'être vécue en donnant de grands témoignages. Peut-être dans une situation cachée qu'on a plus de mal à voir. Donc j'ai pensé à la beauté, à la variété des vocations que la vie offre à nous en tant que famille. Et je crois qu'il est très important de les partager de façon à ne pas faire de nos histoires et des histoires de vocation de série A ou de série B, mais des vocations à la sainteté authentique dans la forme de vie que concrètement nos vies prennent. Voilà. Merci. Vincenzo. Tout à l'heure, on a parlé du fait que la famille est une expérience privée d'intérêt général. Et il s'agit d'une expression importante. Trop souvent, on pense que la famille est le lieu de nos proches, des sentiments, alors que la famille est à beaucoup d'autres en plus. Et pour comprendre ce point-là, il faut partager ce point. Quelle est la maladie de notre époque? On le disait, c'est la solitude. Et la solitude est aussi le résultat du consumisme, de cette envie d'indépendance. Or, pour dire et pour partager ces expériences, il faut mettre en réseau. Parce que là, quand il y a une mise en réseau, on arrive à partager sans aucun doute non seulement les problèmes, mais on peut être
fascinés par la beauté. Et on peut comprendre la beauté de la famille seulement en vivant des expériences concrètes. Là, quand je parlais tout à l'heure de l'épisode des dialectes, dans mon dialecte, le mot beauté n'existe pas, mais l'adjectif beau, parce que c'est une expérience concrète qu'il faut vivre ensemble. Je pense que le pardon et la réconciliation doivent caractériser nos familles, mais ces deux concepts doivent être expliqués à l'extérieur de nos familles. Et dans des contextes de guerre, cela devient un outil pour garder la paix. Et l'Europe est un exemple, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à visiter l'exhibition de Gasperi. Il avait vécu cette expérience de communauté, donc une communauté qui vit ensemble pour un but. L'idée de Gasperi, c'était la civitas, non la politeis. Civitas vit vécu comme but commun. Et on peut atteindre ce but si on se met un réseau pour battre la solitude et pour vivre avec les autres. Voilà le mécanisme des conversions. Dans certains pays, on a vécu l'expérience du silence. En silence, on crée des conversions, des religions différentes, mais qui veulent vivre avec de la joie. Merci Vincenzo. J'aimerais demander à Matteo, à Fabiola, à Jean-Luc, le message final que vous voudriez donner à ceux qui sont venus ici ce soir pour nous entendre. Je pensais surtout, en pensant à la Grèce et au Rwanda, à combien vraiment ces familles changent la société. Mais nos familles changent la société. Alors, je dis, levons le regard, injectons-nous une bonne dose d'espérance et disons que la famille pensée par Dieu est le fondement sûr de cette société. C'est le fondement sûr au sens que nos thérapeutes et psychologues disent que dans la construction de notre société, elle est nécessaire. Alors témoignons de ce fondement sûr. Racontons-le, profitons-en, échangeons-le comme expérience. Voilà, je crois que avec beaucoup de simplicité, je suis tout à fait d'accord, sans faire de compétition olympique pour la médaille d'or du plus beau charisme. Ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ça ne devrait pas nous intéresser. Mais en nous sentant peuple de Dieu. Et donc, en sachant que quelqu'un se fondera comme le sel face à cela. Merci, merci. Comme je le dis avec mon mari, on est en train de vivre l'expérience de l'accueil. Pour nous, c'est plus facile d'accueillir les pauvres et non le pauvre qui est dans nous. Donc cette peur d'être trop fragile, de ne pas être à la hauteur de nos attentes, d'être trop fragile. Et souvent, c'est plus facile d'aider les pauvres qui sont hors de nous. Et c'est justement une invitation que je fais à partir de mon expérience personnelle. Don Giussani a prononcé une phrase et grâce aux amis de Communion et Libération en Grèce, on a pu réfléchir sur cette phrase. Et cette phrase dit qu'il ne faut pas cultiver des projets de perfection, mais il faut regarder le visage de Christ. Et tout à l'heure, on était en train de se poser ces questions, et cette phrase nous a aidés, parce qu'on a fait le lien avec une phrase écrite sur la porte de notre famille. Et donc, cette phrase dit que Dieu, on va faire confiance à Dieu. Et donc, c'est justement dans la simplicité du quotidien. Jean-Luc. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que la famille est une école de pardon. Et il n'y a pas de paix sans le pardon. Chacun d'entre nous a appris à pardonner en famille, avec ses frères, avec ses parents, parce que les parents
ne sont pas parfaits. Donc c'est la première chose. Et de cette manière, la famille construit la paix. Et la deuxième chose, c'est que la famille est une école de sainteté. Et je pense que la sainteté est la clé de la paix. Si chacun d'entre nous étions saints, le monde serait différent. Et je pense que nous devons demander et croire que nos familles sont un terrain de sainteté. Le sacrement du mariage est un sacrement qui doit faire des saints pour rendre saints le mari, la femme et les enfants. Je ne sais pas si vous avez réfléchi au fait que ce sacrement est pour la sainteté de tous. Et ce qui m'a touchée dans l'histoire des Rugamba, même si vous avez vu qu'elle est assez mouvementée, en fin de compte, le sacrement du mariage, à travers la fidélité de Daphrose, a vaincu, l'a emporté. Et j'espère que l'histoire le reconnaîtra, elle a créé une véritable famille sainte. Et ça, c'est extraordinaire. C'est notre vocation. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Grazie. Merci. Je remercie de tout cœur les intervenants qui nous ont permis de mieux comprendre quel est le défi de la famille aujourd'hui, quelle espérance nous pouvons vivre et apporter au monde en nous contentant simplement de répondre aux circonstances dans lesquelles chacun d'entre nous est appelé à vivre. À travers les récits que vous nous avez proposés, nous avons pu entendre parler d'un bien qui est déjà présent, qui est déjà vécu, qu'on vit en déjà, et qui garantit, qui rend plus sûr le regard vers l'avenir et qui peut être une promesse pour tous. Comme nous le rappelait le pape François dans la bulle d'indiction du jubilé à venir, tout le monde espère. Dans le cœur de toute personne est enfermée l'espérance comme désir et comme attente de bien. Voilà, un bien et une promesse qui indiquent un chemin fascinant et que nous voulons parcourir avec des amis comme vous. Donc merci encore. Je lis. Je vous demande encore quelques instants de patience pour lire certains avis. Chacun d'entre nous peut donner son aide, apporter une aide essentielle au meeting en participant activement à cette grande aventure humaine à la recherche de l'essentiel. Tout au long du parc des expositions, on trouve les stands Dona Aura qui sont caractérisés par un cœur rouge. Les dons doivent se faire uniquement dans ces stands auprès de bénévoles qui ont le t-shirt rouge Dona Aura. Autre communication importante, dans ce moment historique particulier où il y a de plus en plus d'inconnus qui nous font nous demander comment est-ce qu'on peut construire des dialogues de paix, on ne pouvait pas ne pas nous sentir touchés par ce qu'a dit le cardinal Pizzaballa dans son intervention à la rencontre d'inauguration. Et pour cette raison, le meeting déduira une partie des dons qu'il recevra cette semaine pour l'urgence en Terre Sainte. Donc nous vous demandons d'être généreux dans vos dons. Merci à tous et bonne soirée.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuseppe aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori dal movimento. Scrivete all'Intercomunionis le vostre esperienze. Ci fate bene.